Commençons par comprendre d'où vient Illy. Illy, c'est à la fois un produit que vous voyez ici, et c'est une entreprise qui a été créée en Allemagne l'année dernière. C'est une technologie qui fonctionne par la guérison avec des fréquences. Il est connu depuis bien longtemps que le futur de la médecine est la guérison par le son, voire les fréquences. Illy, au niveau de cette technologie, a deux parties distinctes. La première, qui est la plus disruptive et qui fait que nous sommes à la frontière de l'innovation sur ce sujet-là, c'est quelque chose qui s'appelle un capteur quantique, qui est à l'intérieur du Illy. La deuxième partie, c'est la capacité du Illy à délivrer des fréquences dans le corps physique par des micro-impulsions électriques. Illy est capable d'adresser des problèmes pour dormir, les problèmes pour chacun des organes, des problèmes pour la peau, des sujets sur la santé physique au niveau de la fitness, l'équilibre au niveau des méridiens de la médecine chinoise, des programmes sur l'équilibre mental, par exemple pour plus se concentrer, des programmes sur le sujet de l'apprentissage. Je veux lire quelque chose et je veux mettre les fréquences qui vont m'aider à mieux retenir et à mieux apprendre. Et les applications sont en fait quasiment infinies. Je voudrais vous parler de ma petite aventure avec le Covid et d'un appareil que j'ai utilisé en fait pendant toute cette période où j'ai été malade. Donc voici cet appareil qui s'appelle Illy. Il a été en fait approuvé comme appareil médical pour certaines applications comme les migraines, les douleurs de fibromyalgie, également tout ce qui est dépression, anxiété, ou encore troubles psychologiques ou troubles du sommeil. Il y a 2 jours, une amie m'a envoyé un message. Elle me dit, écoute, tu avais réparé ton chauffage. Comment as-tu fait? Parce que là, ma machine à café, elle bloque. Elle n'arrive pas à démarrer, donc je suis très embêtée. Je dis, écoute, essaye. Alors, je lui ai donné la procédure. Elle a fait un peu différemment que moi. Elle a pris une photo de sa machine à café et elle a fait une analyse de l'aura. Et l'analyse de Laura, le premier texte qu'elle lui a envoyé, c'est la personne, parce qu'il ne sait pas que c'est un appareil, la personne se sent manipulée et bloquée dans son expression. Alors c'est Laura, puisque la machine était bloquée. Et donc elle a fait tourner, et quelques heures plus tard, elle m'envoie un message avec une photo, la machine fonctionne. C'est que vous pouvez enregistrer une affirmation ou un mantra. Hein? Donc, vous pouvez simplement refaire enregistrer vibration et puis vous allez parler à votre Illy comme si c'était un micro en disant votre affirmation. Je suis pleinement dans ma puissance et dans ma souveraineté au quotidien, quoi qu'il arrive. Et lui, il n'a pas d'émotion, il n'a pas de limite mentale comme nous. Et donc, il se place quelque part au-dessus et il active des canaux que nous, on ne peut pas activer parce qu'on ne les connaît pas. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à me contacter. Est-ce que j'ai des questions? Alors, de deux choses l'une. Soit toutes ces personnes disent la vérité à propos des bienfaits de cet appareil et on est en présence d'un système qui pourrait complètement révolutionner notre vie. Soit on a affaire à des affabulateurs, des menteurs, des arnaqueurs, bref, appelez-les comme vous voudrez. Et ce système n'est rien d'autre qu'un gadget électronique de plus qui est vendu à des prix complètement indécents. Mais quand j'écoute ces témoignages, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, puisque vous avez bien écouté ce qui vient d'être dit à travers ces témoignages, que j'ai volontairement mosaïqué et dont j'ai aussi changé le pitch de la voix pour ne pas avoir de problème de droit à l'image et au son, ce Healy est un appareil quantique de thérapie fréquentielle. Il rentre donc dans le cadre de la médecine quantique, qui, je le rappelle au passage, est une pseudo-médecine qui se base sur un concept pseudo-scientifique. Et je n'invente rien, c'est la véritable définition de la médecine quantique. Il se contrôle en Bluetooth à partir d'une application qui tourne sur votre smartphone et coûte de 500 à 2 500 € en fonction de la gamme et du nombre de programmes thérapeutiques que vous avez choisi au moment de la commande. Et c'est le même boîtier électronique qui est commun à toutes les gammes de 500 à 2 500. Et chose assez intrigante, pour pouvoir s'en procurer un, il faut passer par un revendeur affilié Healy. Sinon, leur boutique refusera de vous le vendre si vous cherchez à l'acheter en direct.
ce qui n'est pas courant comme principe. Bref, avant d'entamer son analyse complète aussi bien électronique que logicielle, et ce dans le seul but de savoir si on a vraiment affaire à un appareil révolutionnaire ou à une grosse arnaque, je vais d'abord vous expliquer comment j'ai pu en obtenir un. Il se trouve qu'il y a quelques semaines, la chaîne YouTube G1000Gram a sorti une enquête très intéressante et assez complète sur ce système Healy, et ça a attiré mon attention. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description tout en bas, et je vous recommande vivement de la visionner pour comprendre vraiment tout ce qui se cache derrière ce système. Je ne vous dévoilerai rien, mais je pense que vous allez avoir du mal à en croire vos yeux et vos oreilles. Oui, parce que les témoignages que vous avez vus il y a 2 minutes à l'introduction sont très soft par rapport à ce que vous allez découvrir dans la vidéo de G1000Gram. Bref, suite à ça, c'était tellement gros que j'ai proposé sur les réseaux sociaux d'en faire l'analyse et le décortiquage. Donc j'ai posté ça sur Twitter, mais là encore, la question du coût de l'appareil était un véritable obstacle. Et là, beaucoup de gens ont proposé de participer à une cagnotte pour rassembler la somme nécessaire, et ça c'est le genre de choses qui fait évidemment très plaisir. Et puis finalement, il y a eu un généreux donateur qui m'a envoyé les fonds d'une seule traite pour que je puisse passer commande. Et ce donateur s'appelle Christophe Casalegno, il a aussi une chaîne YouTube orientée science et technologie, et pour ceux et celles qui voudraient voir ce qu'il propose, j'ai mis le lien dans la description. En tout cas, je pense qu'on peut tous le remercier pour ce généreux geste. Alors, comme à mon habitude, je vais faire cette analyse sans aucun préjugé, en toute objectivité et avec une approche scientifique, et en utilisant les instruments de mesure et le matériel adéquat dont je dispose dans le labo. Et après tout ça, je ferai une conclusion sans employer de termes trop techniques pour que tout le monde comprenne bien à quel genre d'appareil on a vraiment affaire. Et peut-être qu'on aura de vraies surprises, hein ? Qui sait ? Et pour celles et ceux qui n'auraient pas envie de suivre son analyse technique, bon, ça serait dommage, mais pourquoi pas ? Vous avez toujours la possibilité de sauter directement à la conclusion dans les chapitres de la vidéo. C'est parti! Il y a une première remarque que je peux faire pendant que j'ouvre la boîte, c'est que même la plupart des smartphones à moins de 200€ ont un packaging de meilleure qualité que celui-là. Ils se sont vraiment pas foulés. Donc on trouve de la doc, un gros manuel traduit en 15 langues, ça fait beaucoup de pages. Et voici le boîtier, il est de toute petite taille, ultra sobre, sans affichage, entièrement en plastique et ne pèse que 32 grammes. Au fond de la boîte, on trouve les accessoires indispensables, 4 électrodes, 2 bracelets, 2 pinces pour les oreilles, les câbles de raccordement plus et moins, et un minuscule câble micro USB d'à peine 9 cm pour recharger le Healy, mais évidemment, pas de chargeur. Et je confirme que la boîte ne donne absolument pas l'impression qu'il y a à l'intérieur un produit de cette gamme de prix, soigner le packaging n'était visiblement pas dans les priorités du fabricant. Sur le boîtier, on trouve sur la tranche le connecteur micro USB à gauche et les bornes de raccordement aux électrodes à droite. Sur la face arrière, il y a une sorte de pince qui permet de l'accrocher aux vêtements et sur la face avant se trouve le bouton pour le mettre en marche et 2 témoins lumineux. Et si on en croit l'inscription au dos, il fait passer à travers ces électrodes un signal d'une intensité de 4 mA pour une tension de plus à moins 10 volts. Donc en fonction du programme sélectionné, il y a 3 types d'électrodes. Voici à quoi ressemblent celles qui se clipsent au lobe d'oreille. Ça, ce sont les électrodes adhésives qui se collent à la peau. Et enfin, on a les 2 bracelets que l'on porte au niveau des poignets. Et là encore, la qualité de fabrication de ces accessoires n'est pas vraiment à la hauteur d'un produit d'une gamme premium. Bref, j'ai enfilé les bracelets que j'ai reliés au Healy et je vais faire un test rapide. Il est allumé, l'appairage avec l'application est fait, on peut voir la LED Bluetooth clignoter. L'application propose un certain nombre de programmes sur lesquels je ne vais évidemment pas m'attarder. Je crois qu'avec l'abonnement le plus complet, il y en a 120. Donc je vais par exemple faire un test avec le programme dénommé Soin. J'ai accéléré cette partie de 800% parce que c'est assez long pour arriver au bout. On essaiera plus tard de comprendre ce qui s'y passe. Voilà, le programme de stimulation démarre dans la foulée. L'interface est très minimaliste et on a en haut les informations sur la durée qui s'écoule ainsi que la fréquence en cours. J'augmente l'intensité du traitement au maximum pour voir si je ressens quelque chose, et la réponse est non, mais avec un signal électrique de 40 mW, ça n'est pas très surprenant. On va déjà commencer par voir à quoi ressemblent ces signaux, donc j'ai relié les électrodes à l'un de mes oscilloscopes et on va tester avec 4 programmes différents. Douleur chronique génère donc un signal carré alternatif et périodique à une fréquence constante de 1 demi-hertz, donc une pulsation toutes les 2 secondes, et une amplitude maximale de plus 10 volts et minimale de moins 10 volts. Cohérence génère aussi un signal alternatif carré sur une plage de fréquence relevée entre 200 Hz et 1 kHz avec une amplitude max de plus 10 volts et min de moins 10 volts. Libération génère encore un signal alternatif carré sur une bande de fréquence comprise entre 500 Hz et 1 kHz, même amplitude que les précédents. Et le dernier, boost énergétique, est le même type de signal qui évolue sur une bande entre 1 Hz et 1 kHz et de même amplitude que les autres.
J'ai mesuré une douzaine de programmes et tous utilisent une plage de fréquence comprise entre 0,5 Hz et 1000 Hz, aucun ne dépasse les 1000. Et concernant les amplitudes maximales et minimales, elles sont toutes identiques d'un programme à l'autre. Le signal généré est un signal alternatif et carré, et il est assez rare qu'il soit périodique. Généralement, c'est plutôt irrégulier, voire aléatoire. Par contre, j'ai noté que sa batterie se décharge très rapidement, donc sa capacité doit être assez faible. Et en plus de ça, il est impossible à la fois de recharger l'appareil et de continuer à l'utiliser. Et là, franchement, on est quand même en 2021, pouvoir utiliser un appareil pendant qu'il se recharge, ça fait quand même des années qu'on sait le gérer électroniquement. Donc là, ça fait quand même un peu amateur. Bon, je pense qu'il est temps de l'ouvrir et commencer l'analyse de la circuiterie, et je ferai de toute façon d'autres mesures dans un instant. Alors, la première chose que j'ai envie de dire en découvrant le circuit, c'est que tous les composants vont être facilement identifiables, je ne vois aucun composant mystérieux ou obscur. C'est de l'électronique classique utilisant exclusivement des composants montés en surface. De l'autre côté, il n'y a rien à part un seul transistor discret, toutes ces pastilles dorées sont des points de test, donc ça simplifie encore plus l'analyse. Du coup, je peux le retirer du boîtier, ça sera plus pratique. Et vous avez vu, la batterie est maintenue avec un simple adhésif double face. Un petit coup d'œil rapide au boîtier fabriqué par injection plastique, ça ne transpire pas non plus la qualité supérieure et il n'est pas conçu pour être étanche. Allez, on fait un premier passage du circuit sous le microscope d'observation. Les composants montés en surface sont donc exclusivement sur cette face-ci et tout est globalement architecturé autour de trois circuits intégrés qui sont ces trois boîtiers noirs que je vais analyser dans un instant. Pour le reste, rien d'extraordinaire et somme toute assez classique, aucune trace visuelle d'un quelconque capteur, on y reviendra d'ailleurs. Voici les parties que j'ai identifiées sans grande difficulté. Ceci est le microcontrôleur, il est de la famille MSP430 de chez Texas Instruments. Ici est localisé le second composant de chez Texas Instruments, il s'agit de la puce système Bluetooth CC2540. Le troisième circuit intégré ici est du fabricant Analog Device et c'est un quadruple commutateur logique, single pole, single throw. Voici ensuite les différents groupes de composants dont la tâche est de réguler localement la tension ou bien de convertir un courant continu en un autre. On a ensuite ici les deux LED, la bleue à gauche et la verte à droite, puis le connecteur micro USB à gauche et les deux connecteurs pour électrode à droite, et pour finir, on a au centre le bouton poussoir pour l'allumer. Le dernier composant essentiel est bien évidemment la batterie au lithium-ion que l'on voit ici en haut de l'image. Elle fournit une tension de 3,7 volts et peut délivrer une intensité de 140 mAh, ce qui est assez faible, et elle est reliée à la platine ici par un simple connecteur à deux broches. Un petit coup d'œil du côté du microcontrôleur de la famille MSP430 à faible consommation de courant, vous voyez d'ailleurs ici le minuscule quartz qui le cadence à 16 MHz. Il est donc basé sur une architecture RISC 16 bits, dispose d'une interface de communication série universelle, d'un convertisseur analogique numérique sur 10 bits, de 32 kilooctets de mémoire flash pour son logiciel, de 256 octets pour ses registres, et de 1 kilooctet de mémoire vive. Je pense qu'il est en charge de calculer les signaux électriques, je le vérifierai. Et il collabore donc avec un autre circuit intégré de Texas Instruments, ce SoC Bluetooth en 2,4 GHz CC2540 qui lui ne dispose pas d'un mais de deux quartz, un premier en haut de 32 kHz pour ses timers et un autre en bas de 32 MHz pour cadencer son horloge interne. Paradoxalement, il dispose de beaucoup plus de fonctionnalités que le microcontrôleur MSP, je pense donc qu'il gère l'essentiel des interactions avec l'application sur smartphone, j'essaierai de confirmer ça aussi dans un instant. Son CPU est basé sur un cœur de microcontrôleur 8 bits 8051, il dispose de 256 kilooctets de mémoire flash pour son logiciel et de 8 kilooctets de mémoire SRAM. On trouve aussi un convertisseur analogique vers digital de 12 bits sur 8 canaux, il gère plusieurs protocoles d'interface de communication en série, il a aussi un coprocesseur de sécurité AES et bien évidemment un module complet de gestion du Bluetooth 4.0. C'est le genre de puce tout en un qui est fréquemment utilisé dans les applications connectées bon marché. La conception de l'antenne Bluetooth que l'on voit ici à l'image est pour le moins exotique parce que ces antennes sont généralement profilées selon ce genre de géométrie, et ça n'est clairement pas le cas ici, et à vrai dire, j'en vois pas trop la raison. Je ne vais pas m'attarder sur ce troisième circuit intégré ADG442, ça n'en vaut pas vraiment la peine parce que c'est simplement un commutateur 4 canaux de signal logique on-off. En observant la tranche de la platine, il ne me semble distinguer que deux couches internes de cuivre, soit quatre couches en tout, mais on en aura le cœur net une fois que j'aurai fait dans quelques minutes un cliché Orion X qui me servira aussi pour une analyse des pistes nécessaires à la rétro-ingénierie. Par contre, rien à signaler sur la face arrière de la platine qui ne révèle que des points de test et un seul transistor en boîtier SOT23. Et j'utiliserai mon kit de sonde de précision connecté à l'oscilloscope et au multimètre pour effectuer sur le circuit imprimé les mesures à suivre.
Et à ce stade, il y a quelque chose qu'on peut déjà faire, c'est estimer le coût de l'ensemble des composants qui peuplent ce circuit, plus sa propre fabrication. Et pour chiffrer les composants, j'utiliserai le site internet de DigiKey, qui est un des plus gros fournisseurs de composants électroniques. Et on partira sur des quantités de 2500 pièces par composant unique, comme ça, ça nous donne une idée de gros, même si on est assez loin du compte, parce que dans l'industrie, c'est par dizaines, voire centaines de milliers de composants que les fabricants achètent directement aux usines. Commençons par exemple par le microcontrôleur MSP430. En le prenant par lot de 2500 pièces, on le toucherait à 1,49€ hors taxe. Pour ce qui est de la puce Bluetooth, elle est un poil plus chère, on la toucherait à 2,42€ hors taxe. Et enfin, pour le commutateur Analog Device, pour 2500 pièces, on le toucherait à 1,52€ hors taxe. Donc vous voyez, la somme des trois circuits intégrés, qui sont quand même les principaux composants, n'est que de 5,44€ hors taxe. Et ça, c'est pour à peine 2500 pièces, et en plus en passant par DigiKey qui est un grossiste. Parce qu'en achetant directement à l'usine, ça sera encore moins cher. Alors j'ai pris le temps de procéder à un inventaire de l'ensemble des composants de façon suffisamment rigoureuse pour nous donner une estimation cohérente, mais qui de toute façon sera en dessous de la réalité, car comme vous l'avez compris, le prix d'achat dépend beaucoup de la quantité, et je n'ai pris comme base de calcul que 2500 pièces pour chacun des composants. Et concernant la fabrication du circuit imprimé et l'assemblage des composants, je me suis basé sur les tarifs que pratiquent par exemple PCBWay, qui sont en mesure de fournir le même niveau de qualité de fabrication et d'assemblage. Et je suis finalement arrivé à un coût total de 14,50€. Et je ne parle pas du coût global du produit, je parle de son coût de fabrication. Il faut d'ailleurs ajouter à ça le coût de fabrication de son boîtier blanc qui, pour ce genre de quantité, s'élève environ à 40 centimes d'euros. Mais en grande quantité, on peut dire que le Ely ne coûtera pas plus qu'une dizaine d'euros à fabriquer. Donc cette analyse me permet d'en conclure que les coûts de production du Ely sont extrêmement faibles par rapport à son prix de vente. Après, il faut bien sûr ajouter les autres coûts, la R&D, le marketing, la distribution, etc. Mais bon. Bref, on continue parce que le meilleur est encore à venir. Hein. Alors maintenant, on va chercher à comprendre comment est architecturé le Ely. Et déjà, on peut constater que le signal alternatif est bien de 10 volts. Et j'ai noté un truc intrigant qui est selon moi un bug, c'est que le fait de diminuer l'intensité sur l'appli ne change pas l'amplitude maximale du signal parce que la tension revient toujours à sa valeur haute, et ça c'est pas très logique. À ce stade, l'objectif est de chercher à comprendre la nature des signaux qui circulent entre les composants sur le circuit. Donc il y a certaines méthodes à appliquer pour ça, et quand on a la chance d'avoir le datasheet des composants, ça aide. C'est notamment comme ça que j'ai pu déterminer les tâches du microcontrôleur MSP430 dans ce système. Par exemple, là je fais une comparaison des signaux générés en sortie du microcontrôleur par rapport à ceux transmis aux électrodes. Bon, en fait, il y aurait plein de méthodes que je pourrais envisager pour compléter la rétro-ingénierie de ce produit, mais on va se limiter à deux choses. D'abord, je vais réaliser une radiographie numérique du circuit imprimé en le passant à un de mes scanners à rayon X. Ça me permettra de voir les pistes des couches internes et également de m'assurer qu'il n'y a rien de mystérieux dans la platine qui m'aurait échappé. Et ensuite, j'analyserai les échanges de données en Bluetooth entre l'application sur smartphone et le Ely. Et pour ça, j'utiliserai cet analyseur de protocole Bluetooth particulièrement performant que son fabricant Elysis m'a prêté. Je place donc le circuit imprimé dans la console du scanner à rayon X. Le laser me permet de le positionner de façon centrée. L'avantage de la radiographie numérique est qu'on peut jouer sur le niveau d'exposition du cliché après coup. Donc on a bien affaire à une platine à 4 couches de cuivre, dont 2 couches internes. Il n'y a rien de caché ni de masqué au sein même de la carte, qui n'a d'ailleurs rien de spécifique. En bref, c'est du très classique circuit multicouche. Et pendant qu'on y est, je vais aussi faire la même chose avec le boîtier en plastique, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Bon voilà, rien de très intéressant à signaler, ce cliché n'a été fait qu'à 26 kV pour un temps d'exposition de 10 secondes, je n'ai pas jugé nécessaire d'aller au-delà. En revanche, l'analyse du protocole Bluetooth risque de nous apprendre pas mal de détails sur les informations qui s'échangent entre le Ely et le smartphone sur lequel tourne l'application. Et l'instrument qui va me permettre cette analyse est ce BUX400 de chez Elysis qui me l'a donc bien gentiment prêté pendant quelques temps, histoire de m'en servir pour quelques travaux en cours. Alors, je vais être clair, c'est un appareil assez coûteux mais extrêmement complet et performant et qui est surtout destiné aux labos ou aux entreprises de développement en informatique. Mais j'ai quand même mis le lien vers le site d'Elysis dans la description de cette vidéo pour les gens qui voudraient en savoir plus. Et pour s'assurer que l'analyseur ne ratera rien des échanges de données, je l'ai placé de telle façon à ce qu'il ait les deux appareils à ses côtés et lui disposé au milieu. Donc le Ely est à sa droite et le smartphone à sa gauche, et il est bien entendu relié au PC sur lequel tourne son logiciel d'analyse.
On passe maintenant dans l'interface de l'analyseur dont la capture de données a commencé et vous pouvez constater à droite que les deux protagonistes Bluetooth communiquent. Alors comme on est ici en temps réel, qu'il va se passer beaucoup de choses à l'écran et que ça va durer un certain temps, je vais accélérer le tout et vous faire un résumé de ce que j'ai pu en déduire dans un second temps après avoir passé au crible les informations capturées. Alors déjà les communications sont toutes dans la bande de fréquence de 2402 à 2480 MHz et la taille moyenne des paquets de données échangés entre les deux appareils est de 20 octets. Les échanges sont assez rudimentaires et le delta est très régulier, quasi métronomique. Dans ces 20 octets, ce sont surtout des requêtes que l'application fait vers l'appareil, notamment pour connaître la fréquence en cours. Mais elle fait aussi passer au microcontrôleur des commandes concernant la nature du signal à produire, parce que oui, c'est bien le microcontrôleur qui génère seul les signaux envoyés aux électrodes. Il n'a besoin que de quelques paramètres au départ du programme de stimulation pour savoir ce qu'il a à faire. Et d'ailleurs, j'ai pu mesurer que quand on éteint le Hili alors qu'il est en plein programme, il reprend la production des signaux électriques dès qu'on le rallume sans même que l'application soit lancée. Et ça, je suis certain que personne ne s'en doute. Et a priori, beaucoup de fonctions de cette application pour smartphone n'a aucun lien applicatif avec l'électronique du Hili, ce qui montre bien qu'elle est en grande partie une façade essentiellement développée pour faire passer ce petit gadget électronique pour un appareil capable de faire des miracles. Alors, cette analyse technique nous a appris énormément de choses sur ce petit boîtier, donc c'est le moment d'en faire la synthèse. Et pour celles et ceux qui auraient directement sauté à cette conclusion, sachez que tout ce que je vais dire là a été évidemment montré précédemment. Premièrement, le Hili n'est rien d'autre qu'un basique générateur de signal alternatif carré qui travaille sur une plage de fréquence de 1/2 Hz jusqu'à 1000 Hz, et c'est tout. On pourrait aussi appeler ça un électrostimulateur à très faible courant. Oui, parce que la puissance du signal qu'il envoie par ses électrodes n'est que de 40 mW. Donc j'ai un peu de mal à imaginer ce qu'il stimule avec une puissance aussi faible. Et par contre, sa particularité, c'est qu'il est géré en Bluetooth par une application sur smartphone. Deuxièmement, son électronique est dépourvue de toute forme de capteur. Il y a juste une antenne pour recevoir les données Bluetooth. Il n'y a pas non plus de micro, qui, soit dit en passant, est un capteur, donc ça ne sert à rien de lui parler pour dire vos affirmations. Troisièmement, le coût de fabrication du Hili, donc électronique plus boîtier, a été chiffré à moins de 15 € pour une quantité équivalente à 2500 exemplaires. Donc vous imaginez bien que dans des grandes quantités, c'est encore moins cher. Et je rappelle qu'il est vendu entre 500 et 5000 €. Bref, voilà, ce Hili n'a absolument rien de quantique, si tant est que ça veuille dire quelque chose en dehors de la physique. En tout cas, je ne sais pas vraiment ce qu'est la médecine quantique, je ne vais pas juger, mais si ce Hili en est un des instruments, c'est plutôt mal barré. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Ne vous inquiétez pas, la seconde partie de l'épisode sur les ondes électromagnétiques ne va pas tarder, j'y travaille, mais c'est aussi parce que j'ai plusieurs autres sujets en parallèle, donc c'est un petit peu plus long. Allez, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.